Bonjour, bonsoir les amis, c'est Ramsès et nous sommes sur Boulet TV. Les amis, c'est avec tristesse que vous pour nous émission si là. Parce que nous ne voulions pas bon du tout. Eh bien, les amis, dans le moment que nous avons parlé là, PNH la prend un coup. Avant même que nous passions à l'information, je vais essayer de rappeler tout le fanatique de Boulet TV qui peut vous abonner à la chaîne là. Faites ça, Kounia, activez la cloche de notification pour qu'à toujours être connecté. Là, nous publions une nouvelle émission. Bref, hier dans la soirée, des individus qui n'ont pas arrivé à identifier, si mes coups de balle sur un policier dans la zone Nazon. Ce policier répond au nom de Frédéric Alsanon. Dramsila a passé dans la zone Solino et Nazon, précisément dans une localité qui relève Caravel. Au moment du drame, il y a plusieurs chauffeurs moto qui étaient présents sur place. Qui t'a essayé à le porter policier en secours. Eh bien, bandi yo t'a ouvri cartouche sur chauffeur moto yo. D'après les informations, policier Frédéric Alsanon t'a habité dans Delma 30. Eh bien, dans Delma 30, t'a gagné un groupe nèg qui t'a porté nom Marshall. Eh bien, c'est policier ça qui t'a couru derrière groupe nèg ça yo dans zone si là. Bon, à la vérité, nous pas fin connait nan qui optique attaque sa fait sur policier hein, mais c'est information ça que nous gagne. Définitivement pays d'Haïti c'est de jour en jour la enfoncer plus dans l'abîme. Bandi armé yo se met essayer yo tire moun lè ou vle pa gen aucun moun qui là qui pour bay justice et puis qui pour dire non. Même policier qui là pour bay sécurité, imaginez que eux même yo pas en sécurité. Donc c'est pour vous dire que bagala triste. Kounya bagala c'est tant jou pa ou dans pays d'Haïti puisque tout monde net lagué. Tant que c'est dans un savane, pas gen monde, pas gen l'état, pas gen rien qui a dirigé. Bon, c'est triste. Mais c'est la réalité. Bref, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous sommes Ramsès et nous sommes Boulet TV. Et après, qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine.